Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition de la mi-journée. Il est 13h30 à Kinshasa et 1h de plus à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, a reçu une délégation sud-africaine conduite par la ministre sud-africaine de la Défense. Il a été question de renforcer la coopération militaire entre le pays de Lumumba et celui de Madiba. Les détails dans ce reportage. Kinshasa et Pretoria ont le même entendement de la question du rétablissement de la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Dimanche, à la Cité de l'Union africaine, cette question a été évoquée lors de l'entretien que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu avec une délégation sud-africaine conduite par Nosiviwe Napasa, ministre de la Défense et des Anciens Combattants. À en croire la ministre sud-africaine, l'entretien du jour fait suite à la réunion bilatérale tenue récemment entre les délégués de ces deux pays qui consistait à évaluer le progrès réalisé selon les engagements de chaque parti. It was a very good meeting. Ça a été une bonne réunion avec le chef de l'État. Nous avons discuté sur les questions d'intérêt commun qui concernent les deux pays. Certainement, nous avons, en tant que ministre de la Défense, commencé notre réunion en bilatéral avec la partie congolaise. Mais après nos discussions qui ont été fructueuses, nous sommes venus faire rapport au président de la République, qui est commandant suprême des FARDC. Au terme de cette rencontre, il se dégage que la coopération militaire entre la République sud-africaine et la République démocratique du Congo est au beau fixe, et c'est ce qui traduit la volonté commune de mettre fin à l'insécurité dans l'est de la RDC. Vous savez, depuis les temps immémoriaux, nous avons toujours entretenu de bonnes relations et que nous allons continuer, nous allons les poursuivre. Mais ce qui nous concerne, nous devons arriver à combattre et à neutraliser et éradiquer les groupes rebelles et forces négatives. La nation arc-en-ciel qui fournit déjà d'importants éléments dans les troupes de la brigade d'intervention des Nations Unies au sein de la MONUSCO tient à poursuivre sa coopération militaire avec la RDC, particulièrement dans le domaine de la formation militaire. À l'Assemblée nationale, sept projets de loi portant ratification des accords de prêt entre la République démocratique du Congo et différentes institutions internationales ont été adoptés. Tard dans la soirée, les députés nationaux ont unanimement dit oui à ces projets de loi. Pour un total de 404 640 000 dollars américains, les sept projets de loi autorisant ratification des accords de prêt ont été adoptés par l'Assemblée nationale. Sur les 335 élus présents, tous ont voté en faveur des projets de loi. Aucun n'a voté contre, aucun ne s'est abstenu. Quelques recommandations ont tout de même été faites au gouvernement. La commission mixte s'est penchée sur la soutenabilité de la dette, la nécessité de la construction du port de Banana en même temps que le pont Routraille, Kinshasa-Brazzaville, la hauteur de la dette et la politique d'endettement de la RDC. Ces projets, qui étaient présentés par le ministre des Finances Nicolas Kazadi le 25 mai dernier, avaient fait l'objet d'un débat en plénière avant d'être confiés à la Commission économico-financière, de bonne gouvernance et de relations extérieures pour un traitement approfondi du 26 au 30 mai. Ce sont les conclusions des délibérations de cette commission déposée au bureau que la plénière a fondamentalement examinée, article par article, avant le vote favorable. Ces sept projets de loi seront transmis au Sénat pour une seconde lecture avant la promulgation par le président de la République. Pour son dernier jour à Goma, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a tenu un point de presse. En substance, le gouvernement de la République ne ménagera aucun effort pour soutenir les sinistrés de Goma. Même à Kinshasa, le chef du gouvernement garde un œil très regardant sur ce qui s'est fait à Goma. Résumé du point de presse dans ce reportage. Au fur et à mesure que la situation se stabilise à Goma dans le nord Kivu, les déplacés peuvent déjà espérer les retours d'une manière progressive dans leurs milieux respectifs et suivant les dispositions qui seront prises par les gouverneurs militaires. C'est l'une des articulations de la conférence des presse tenue ce lundi 7 juin par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé Kyenge au terme de son séjour à Goma. Vous avez constaté que le gouvernement n'entend négliger aucun détail, ni lésiner sur les moyens pour à la fois assurer le retour des déplacés, leur garantir l'accès aux soins, à la nourriture
et surtout à la sécurité et à la paix. Je repars à Kinshasa en gardant un œil vigilant sur ce qui se passe ici. Je reste convaincu que nos compatriotes du Nord Kivu, qui ont toujours fait preuve de résilience, vont très vite reprendre leur rythme de vie habituel. Les besoins alimentaires, des transports, de la santé appellent la mobilisation d'une enveloppe financière de l'ordre de 16 milliards de francs congolais. Les élèves pourront reprendre les cours dans les tout prochains jours et dans le strict respect des normes. Les sites détruits par les laves volcaniques ne seront plus réoccupés, tandis que ceux qui ont perdu leurs habitations seront orientés vers des sites provisoires, d'après l'instruction du chef du gouvernement. Sur les plans économiques, les ministres du budget, en partenariat avec la Fédération des entreprises du Congo, ont été invités à prendre des mesures pour soutenir les commerces détruits par cette catastrophe. La santé étant capitale, les ministres des tutelles devraient veiller par des mesures appropriées pour préserver les sinistrés du choléra, de la tuberculose et de la Covid-19. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention se chargera de continuer à poursuivre la situation sanitaire des déplacés tout au long du processus de leur retour. J'ai le privilège d'annoncer que Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui n'a ménagé aucun effort tout au long de la crise, mettra également à la disposition de la population un hôpital militaire mobile bien équipé, pouvant dispenser des soins en renfort aux structures sanitaires existantes. La sécurité a figuré en bonne place dans ses face-à-face Premier ministre-presse. L'état des sièges va courir aussi longtemps qu'il exigera la nécessité de mettre fin aux activités meurtrières des groupes armés, a insisté les chefs de l'exécutif national. Nous voulons en finir avec les groupes armés qui terrorisent nos populations et nous endeuillent. Le gouverneur militaire m'a fait le point du déroulement des opérations. Nous avons enregistré des redditions des miliciens depuis la déclaration de l'état de siège. Le souci du Premier ministre est que les aides alimentaires arrivent à destination. Jean-Michel Samalou Kondé Kyenge promet des sanctions contre tous ceux qui seront tentés de les détourner. Le gouverneur militaire du Nord Kivu a quant à lui annoncé le retour progressif des déplacés de Goma. Cela se fera selon le calendrier qu'il a présenté. Le retour des autres compatriotes sinistrés, dispersés dans des sites d'hébergement, se fera graduellement sous la coordination de l'autorité provinciale de manière suivante. Axe Goma-Sake, du 8 au 9 juin 2021. Axe Niragongo-Goma, le 10 juin 2021. Axe Rutshuru-Goma, du 11 au 12 juin 2021. Axe Bukavu-Minova-Goma, du 15 au 17 juin 2021. Axe Butembo-Beni-Lubero-Goma, du 16 au 17 juin 2021. Axe Rwanda-Goma, au 20 juin 2021. Au regard de l'évolution positive de la situation, j'autorise également la reprise des activités administratives, commerciales, économiques et socio-culturelles. L'ouverture des écoles sera effective à la fin de l'évaluation des dégâts. Les écoles ouvriront leurs portes le 14 juin prochain, suivant la décision commune de toutes les parties prenantes. Toutefois, j'appelle la population à demeurer vigilante en rapport aux activités volcaniques,
au respect strict des gestes et barrières contre la troisième vague de COVID-19 qui menace notre pays. Mobilisés depuis les pannes survenues après l'éruption volcanique, les techniciens ont pu recoller les morceaux, les pylônes ont été redressés et le courant électrique illumine à nouveau la ville de Goma. Oscar Mbalkaïj a suivi pour nous le rétablissement de cette électricité dans la ville de Goma. Goma et ses environs renouent avec l'électricité après l'éruption volcanique de Nyiragongo qui a endommagé plus de 8 km des câbles électriques. C'est le Premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Samalukonde Kienge, qui a lancé à partir du poste de Virunga Energy, une branche de la fondation Virunga, le rétablissement de l'électricité pour la ville de Goma, avec également pour effet la reprise de la desserte en eau potable. Geste fort salué par les responsables de Virunga Energy, société chargée des distributions. La population de Goma est habituée à la qualité de l'énergie que lui livre Virunga Energy, et bien sûr via aussi les réseaux de Sokodé. Ils attendaient ça. Ils ont maintenant l'énergie et ils peuvent se réjouir. Nous allons maintenir la même qualité comme d'habitude. C'est un énorme honneur pour nous d'avoir cette visite aujourd'hui et ça remonte le moral de toute l'équipe. Pour les ministres des ressources hydrauliques et électricité, le gouvernement de la République ne va pas s'arrêter là. C'était un des soucis majeurs qui concernait la ville de Goma. Depuis le 22 mai, Goma a été plongé dans l'obscurité en partie, en tout cas une grosse partie. Et grâce aux efforts de Virunga Energy, de Sokodé, on peut remettre de l'électricité dans la ville de Goma. C'est un symbole parce que voilà, le gouvernement central arrive, le Premier ministre est présent à Goma et on est en mesure de relancer le réseau électrique. Et il faut savoir aussi que c'est très important d'avoir de l'électricité parce que l'approvisionnement en eau potable de Goma est aussi très 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 lié à l'énergie. Peu avant, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kienge a visité les lignes électriques réhabilitées ainsi que la route qui a été refaite vers le Grand Nord au niveau de Kibati. Nous sommes dans les territoires de Nyiragongo. Alors que Nyiragongo semble avoir repris son sommeil, la sérénité revient petit à petit dans Goma. À Kinshasa, la solidarité s'élance. L'opération SOS Goma de Banakin récolte des fonds. Le vice-ministre des Mines, Godard Motemona, en est l'initiateur. Monique Mavungu était au lancement de cette opération samedi dernier. La mobilisation était visible au-delà de toute attente et cela traduit bien l'élan patriotique de ces Kinois venus à la rescousse de leurs compatriotes de Goma, victimes de l'éruption volcanique de Nyiragongo. Cette initiative de l'ASBEL Banakin qui dirige le vice-ministre des Mines, Godard Motemona, vise à récolter les fonds qui vont appuyer le gouvernement dans la prise en charge des sinistrés de Goma. Au nombre de ces Kinois présents lors du lancement de cette opération, les rapporteurs adjoints de l'Assemblée nationale, Colette Tchomba, venus compatir avec les Gomatraciens en situation difficile. Godard Motemona spécifie ici l'objectif de cette opération. Nul n'est besoin de rappeler ici que Banakin Asbel, qui est un syndicat des Kinois, a toujours réagi lors de telles épreuves en exprimant sa solidarité aux compatriotes sinistrés. Chers frères et sœurs, Gomatraciens, sachez qu'en ce moment difficile que vous traversez, votre douleur et votre désarroi font l'objet de notre profonde compassion. Congolaises et Congolais, mettons-nous ensemble pour soutenir nos frères et sœurs du Goma. Pendant près de 10 jours, les Kinois sont appelés à venir témoigner leur solidarité envers la population de la province du Nord Kivu.
Nous restons encore à Goma avec ces travaux d'assainissement que lance la Caritas Congo. Après ce qui a fait craindre un cataclysme, la ville de Goma avait besoin d'un coup de balai pour qu'elle garde sa splendeur et essuie un peu ses larmes. Cédric Kenina a lorgné sur ce qui s'y passe. La ville de Goma doit garder son éclat et ses infrastructures et édifices publics doivent être protégés. C'est dans ces cadres que la Caritas diocèse de Goma a lancé ce samedi 5 mai courant les travaux de l'assainissement de la ville de Goma. C'est le maire adjoint de Goma qui a donné les premiers coups de balai avant de sensibiliser une centaine de volontaires qui se sont engagés à rendre propre cette ville au pied du volcan Niragongo. Juvelin Dabereye reconnaît que c'est un devoir de tous de veiller à la propreté de la ville. La Caritas qui nous encadre aujourd'hui, avec laquelle nous sommes en train de travailler aujourd'hui, c'est dans les programmes d'engagement citoyen où nous pouvons demander à toute la population de pouvoir nous emboîter le pas pour que l'on puisse chaque fois laver la ville de Goma et qu'elle soit propre. Vous savez que c'est un devoir de tous citoyens pour que l'on puisse garder la ville propre. Toutes les avenues, toutes les cellules doivent être propres. En fait, que la ville doit toujours garder sa robe propre, comme on l'a toujours dit, la ville touristique. La Caritas qui tient à voir la ville de Goma assainie avant le retour des déplacés qui ont fui la récente éruption du volcan Niragongo de 22 mai dernier et reconnaît que la santé de l'homme dépend aussi de l'assainissement de son environnement, comme l'a dit M. l'abbé Richard Mouindo, son directeur. Nous venons de lancer cette activité de sensibilisation à la propreté avec notre programme d'engagement citoyen pour que Goma puisse être une ville modèle. Si c'est par l'éducation, l'éducation de la base, sans attendre du salaire ou une récompense, que ces 700 de personnes commencent déjà ce travail pour montrer l'exemple à toute la population. Et nous allons continuer cette activité quartier par quartier, sur les artères principales, surtout avec les autorités même, aussi bien civiles, militaires que religieuses, pour montrer l'exemple que la propreté est la base de tout développement. Ces travaux d'assainissement de Goma rentrent dans la campagne engagement citoyen du projet Programme de développement urbain financé par la Banque mondiale. Désormais, le rendez-vous est pris pour chaque samedi de 6h à 10h pour assainir la ville. Cédric Kenina a tout simplement servi de relais. Le reportage est signé par nos collègues de la RTNC Nord Kivu. Les populations se trouvant sur l'axe routier Bukavu, Mwenga, Kamituga redoutent l'enclavement syrien effet sur cette route nationale numéro 2. L'état de la route fait craindre le pire avec seulement un petit coup de pouce des précipitations. Un reportage de Nadine Kilouchou. Si aucune intervention d'urgence ne se réalise, c'est la population qui va en payer les prix les plus forts. Nous faisons ici allusion à l'état actuel des dégradations très avancées de la nationale numéro 2 dans son tronçon compris entre Bukavu et Kintutu en passant par Mwenga et Kamituga. La situation est telle que l'Action citoyenne contre les antivaleurs a initié ce vendredi un mémorandum à l'adresse de la présidence de la République, de la primature ainsi que de deux chambres du Parlement. L'importance de la route est d'abord, je dirais, sociale. Comme nous disons, la route a une importance socio-économique dans notre mémorandum. C'est-à-dire, une fois réhabilitée, en termes d'agriculture, cette route participera énormément même à la vie nationale. Si le gouvernement mettait à profit ce que nous venons de démontrer, nous pensons que l'or qui se passe chez nous là-bas, facilement on viendra trouver de change ici. Pourquoi ? Une fois réhabilité, on suppose que les experts auront le temps de visiter ces endroits et cela fera en sorte que non, l'économie nationale soit au moins boostée. La réhabilitation de la nationale numéro 2 permettra à la population de cette partie du pays de se ravitailler en produits de prêts. Nécessité, surtout que les conséquences de l'éruption volcanique de Niragongo ont été largement ressenties dans cette partie du sud Kivu. Vous l'avez certainement découvert, il s'agissait de notre consoeur Nadine Yangou et pas Nadine Kilocho. Une firme portugaise spécialisée dans la fabrication des tenues militaires de combat et le vice-ministre tchèque de la Défense ont été reçus par Séraphine Kulubu, vice-ministre congolaise de la Défense. Le transfert des compétences, l'installation des industries militaires et la formation étaient au menu. Un reportage de Jojo Ndibou et Thierry Nzazi.
Le vice-ministre de la Défense de la République tchèque, Tomáš Kopčník, a été reçu par la vice-ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Madame Séraphine Kiloubou-Koutouna, qu'accompagnait le secrétaire général des FRDC. Ce lundi, cette entrevue fait suite à la mission effectuée par la délégation congolaise à Prague en vue de découvrir les potentialités industrielles que regorge la République tchèque en vue de conclure le marché et au mieux le partenariat d'affaires qui permet d'ouvrir la RDC à plusieurs opportunités industrielles aux conditions avantageuses, doublées des transferts des compétences grâce à la formation. On a un plan assez concret pour commencer une usine qui pourrait être ouverte assez bientôt. Ça sera utilisable pas seulement pour les forces armées, mais aussi pour beaucoup d'autres forces ici, notamment des minières, mais aussi la logistique. Donc ça sera, si tout va bien, une usine pour le transport, pour fabriquer des véhicules pour le transport. Pour notre armée, nous cherchons à ce qu'elle devienne forte et professionnelle. Ainsi, nous sommes en train de chercher des partenaires qui pourront nous accompagner. La délégation tchèque encourage le ministère de la Défense nationale du Congo à approuver ces projets de contrats et protocoles d'accord qui se révèlent profitables pour les FRDC en particulier et la RDC en général. Quand on va à l'université, on doit avoir des grandes ambitions, il faut viser grand. Les étudiants de Bandundu l'ont entendu de la ministre près le président de la République qui était en mission dans cette partie du pays. Durant sa tournée dans l'espace Grand Bandundu, la ministre près le président de la République, professeur Nana Manoni Nakyumba, a sensibilisé les étudiants de l'université du Kwango sur les bien fondés de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo, pour le développement de la République démocratique du Congo. J'aimerais que parmi vous qui êtes des dirigeants, des députés et tout ça, ça se prépare aujourd'hui. Et je n'aimerais pas rester seule. Je suis en train de voir qu'il y a des étudiantes. Battez-vous, ensemble, luttons pour que vous puissiez aussi devenir ministre, député, bourgmestre, etc. Un enseignement universitaire de qualité pour un grand pays à l'instar de la République démocratique du Congo. Le monde qui est devenu un grand village, l'avenir de la RDC dépend également d'une bonne formation de ses élites. L'Union congolaise des femmes des médias a organisé tout récemment les élections pour le renouvellement de son bureau. L'installation de ce bureau nouvellement élu a eu lieu, comme nous le rapporte Malumbela. Élue au terme des élections organisées le 20 mars dernier à Kinshasa, la nouvelle équipe dirigeante de l'UCOFEM, Union congolaise des femmes des médias, a pris officiellement ses fonctions ce 5 juin 2021. La cérémonie des remises reprises s'est déroulée au siège même de cette structure en présence de la présidente du conseil d'administration et des membres du jury, et ce, pour le respect de la conformité des procédures. La directrice exécutive nationale de l'UCOFEM, Rose Massala, a salué la portée historique de la dite cérémonie. Elle a à cette occasion lancé un appel aux anciennes membres à réintégrer le groupe pour la bonne marche et le rayonnement de l'UCOFEM, car du choc d'idées jaillit la lumière. Et comme je vous avais dit lors des élections, que le souci premier c'était de faire en sorte que tous nos membres, partout où ils se trouvent, reviennent à la maison. Parce que c'est quand les gens sont ensemble qu'ils savent construire quelque chose de durable. La présidente du conseil d'administration de cette association, Clarisse Moussemé, a pour sa part loué le travail des titans abattus par l'équipe précédente dirigée par Anna Maïmouna. Elle a souhaité un fructueux mandat au nouveau bureau à qui elle a reconnu une compétence avérée pour conduire à bon port la destinée de l'UCOFEM. Pour l'UCOFEM, tout ce que nous souhaitons, c'est que soyons ensemble pour pouvoir bâtir encore, pour pouvoir encore donner une impulsion nouvelle sur la vision que nous avons en termes de la promotion de la femme dans les médias et par les médias. Nous saisissons cette occasion pour dire que l'œuvre humaine est imperfectible. Nous reconnaissons tout le travail que l'ancienne équipe a fait. Anna Maïmona et son équipe, nous vous disons merci.
Merci pour le travail abattu parce qu'avec vous, vous avez fidélisé les partenaires. Vous avez aussi fait en sorte que l'ICOFEM puisse avoir des représentations dans les provinces. Signalons que l'ICOFEM milite pour la promotion de la femme et du genre et assure la formation des renforcements de capacités de ses membres dans différents domaines, communication, plaidoyer. La liste n'est pas exhaustive en collaboration avec ses différents partenaires. Le sénateur Lola Kisanga a tiré sa révérence l'année dernière alors que rien ne le présageait. Une messe d'action de grâce en sa mémoire a eu lieu. Avec consternation que la population de la ville du Siro, toutes les couches confondues, a réservé un accueil délirant ce mardi 1er juin 2021 à Isiromouké, au point kilométrique 7 de la ville du Siro, à Madame Nanou Sadiki Lola, épouse du défunt sénateur Jean-Pierre Lola Kisanga et ses enfants, en provenance de Ouacha où il a été enterré. Une messe d'action de grâce a été organisée ce samedi 5 juin 2021 à la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus du Siro, dite par l'abbé Patrick Abou. Au terme des allocutions, Christelle Hollande, qui a ouvert la série au nom de tous les enfants du défunt, s'est dit reconnaissante à tous ceux qui ont accompagné leur défunt père jusqu'à son dernier souffle de vie. Pour sa famille politique, au regard des œuvres et qualités du dernier, il serait coupable pour sa formation politique de garder un silence. Madame Godelive Mambabou en pense qu'il est parti si tôt, alors que toute la nation avait encore besoin de son expérience. Prenant parole, l'épouse du défunt, qui s'est montrée particulièrement reconnaissante à la première dame de la République, Denise Nyakeru Tshisekedi, pour son accompagnement et son soutien à la famille depuis la mort de son mari. Je remercie très sincèrement le président de la République, chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa générosité envers nous de prendre une mesure exceptionnelle pendant une période très difficile de la pandémie de COVID-19. D'autoriser les rapatriements de corps de mon défunt mari pour son enterrement à Ouacha, sa terre natale. Jean-Pierre Lola Kisanga n'est pas mort. Et c'est mis pour sa part, Jean-Joseph Matete Osako Eri, maire de la ville d'Isiro, qui a également pris parole à cette occasion. Pour rappel, le sénateur Jean-Pierre Lola Kisanga était décédé le 1er décembre 2020 à Kinshasa, la capitale congolaise, des suites d'une courte maladie. Mesdames et messieurs, ce journal est terminé. Merci à Doris Mozo qui l'a coordonné. Merci à vous qui l'avez suivi. Et bonne suite des programmes sur la télévision nationale.